L'hôtel Chanteclair va tourner une page importante de son histoire. La ville a octroyé un permis de destruction partielle qui touchera la section administrative et la terrasse. L'hôtel deviendra donc une résidence pour aînés opérée par l'ex-gouverneur. C'est pour plusieurs la fin de l'espoir de la réouverture d'un hôtel autrefois mythique. Une page se tourne parce que ça vient naturellement sceller un peu le fait que l'hôtel ne sera pas de retour dans le futur. Avec son architecture unique, le Chanteclair a marqué des générations d'Adélois. Pour mieux comprendre son histoire, nous nous sommes rendus au musée du ski des Laurentides. Le bâtiment du Chanteclair est très visible dans le paysage. Il y a vraiment une architecture particulière qui nous rappelle un peu un château. Donc, on voit vraiment que c'est un lieu chic. Ça va marquer l'imaginaire des gens. L'hôtel a ouvert ses portes en 1938 et a attiré au courant des années une tonne de skieurs, de baigneurs, de joueurs de tennis et d'épicuriens. Donc, au départ, c'était un petit hôtel. Donc, c'était un petit milieu, peut-être une trentaine, quarantaine de chambres. Mais c'était des chambres très luxueuses, hein? Donc c'était chic comme endroit. Le Chanteclair, dès le départ, avait des montées à câbles et il a implanté une école de ski. Mais les écoles de ski dans les années 30, les années 40, donc les directeurs avaient une certaine notoriété, donc c'est pour ça qu'on allait les chercher. Donc, on parle du Chanteclair. Au départ, il y a eu un Frank Schofield et ensuite, il y a eu Guy Normandin qui ont été directeurs d'école de ski. Donc, la clientèle du Chanteclair, c'était beaucoup des anglophones de Montréal, des gens assez fortunés et aussi des touristes américains. Donc, l'hôtel de Chanteclair offrait du divertissement pour les gens qui le fréquentaient. Donc, il y avait autant, il y avait une piscine, il y avait des remontées mécaniques. Là, on parle de remontées à câble au départ. Les gens pouvaient faire du curling, donc c'était vraiment plein d'activités. Le Chanteclair, c'est aussi un endroit où l'on accueillait d'importantes conférences. Sur cette photo, Robert Bourassa, alors premier ministre du Québec, qui a tenu un caucus en 1987. Depuis sa fermeture en 2018, des résidents espéraient assister à la renaissance de l'hôtel. Mais aussi, les gens locaux pouvaient aller dans ce lieu qui est aujourd'hui un lieu mythique et ils se sont créés des souvenirs qui y sont rattachés. Il y avait des résidents qui souhaitaient que l'hôtel puisse être acheté, puisse réouvrir, donner les lettres de noblesse du Chanteclair qu'il y avait durant les belles années. Malheureusement, ça ne sera pas le cas, étant donné que le projet également qui a été déposé de la part du propriétaire n'est pas un complexe hôtelier pour la phase 1, mais bien une résidence pour personnes âgées. Donc, pour moi, c'est aussi sentimental comme plusieurs citoyens de Sainte-Adèle. On est nombreux à avoir travaillé au Chanteclair. Ma mère a annoncé à mon père qu'elle est enceinte de moi dans les chaises au Chanteclair. J'ai grandi sur les pentes de ski au Chanteclair. J'ai mes belles années d'amitié avec toute ma jeunesse que j'ai passée au Chanteclair. J'ai travaillé au tennis comme sauveteur. Bref, j'ai touché un peu à tout au Chanteclair, je vous dirais, avec les années. Comme beaucoup d'Adélois, Nadine Brière conservera un souvenir impérissable de ce que fut l'hôtel Le Chanteclair. Ici Alexandre Millet-Gagnon pour Nous TV à Sainte-Adèle.